On se bat, mon piano et moi. Non, en réalité, c'est naturel pour moi de bouger et de crier quand je joue, ce n'est pas du cinéma. Bien sûr, je pourrais travailler très dur pour ne plus le faire, mais ce serait stupide. Je ne comprends pas qu'un pianiste puisse jouer dans le bruit. C'est pour cela qu'il m'est arrivé de cesser de jouer et de quitter la salle lorsque les gens ne sont pas silencieux. Parce que c'est du silence que naît la musique. Sinon, où la trouver ? Si mystique signifie croire que les choses les plus universelles peuvent aussi être personnelles, alors oui, mon inspiration musicale est mystique. La différence entre les autres musiciens et moi, c'est qu'ils pensent que s'ils changent, ils n'existent plus. Moi aussi, j'ai peur des nouvelles expériences, mais j'en fais, parce que toute habitude est mauvaise en improvisation, et un véritable artiste doit être capable d'utiliser même ses habitudes pour faire du nouveau.